Amis youtubeurs, amis pilotes, amis simmers, très chers amis, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Sim to Heaven. On est ensemble aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Sacha comme pilote. Aujourd'hui, le but de la vidéo, c'est de pouvoir se diriger sur deux destinations. Donc la première destination, on va aller à direction de Menorque, le code OACI de l'aéroport LEMH. Et actuellement, on est à Lira. C'est l'aéroport de Rome en Italie, donc Lima India Romeo Alpha. Je vous laisse tout de suite avec Sacha qui va être le pilote flying aujourd'hui et moi le pilote monitoring. Bonjour Sacha, j'espère que tu vas bien et que tu es prêt ce matin à nous amener à Menorque. Bah oui, il faut bien. Donc, donc on se trouve devant l'avion. Toujours le même, donc immatriculé Eco India, Eco November India. Donc c'est un 737-800 avec les winglets. Donc c'est un petit vol, le premier vol est un vol plus ou moins standard, donc on prévoit 1h30 de vol à peu près. Un départ de Ciampino assez compliqué, on va voir un petit peu dans le briefing pourquoi. Et une arrivée assez standard avec un arc DME sur la piste 01 à Menorque. Ensuite, on aura à peine le temps d'atterrir, qu'on va recharger et repartir vers Barcelone, qui là sera un vol très très court. On va faire une croisière au niveau environ 220, si je me rappelle bien. Et là, il faudra voir que pour un saut des vols très courts, la préparation est primordiale. Donc il va falloir bien gérer son temps, que ce soit au sol ou pendant le vol. Et évidemment, parfois un petit peu dévier des procédures standards pour pouvoir caser un briefing complet dans une croisière qui sera très très courte. Très bien, ça fait un programme qui est très passionnant. Deux vols, et particularité du second, c'est la longueur du vol qui est très très courte. Exactement. Donc ici, on va l'idée de ce vol. Donc on a déjà quelques nouveautés. On est passé sur P3D V5 pour gagner un petit peu en performance. Donc on a un petit gain en FPS. Les images sont assez belles. On a quelques petits bugs. Donc tout s'est fait. La transition s'est fait hier. Donc c'est tout frais. Alors juste pour info, pour les personnes qui nous rejoignent, du coup P3D utilise le PMDG. Sur X-Plane, nous utilisons le Zibo, et donc il y a certaines différences entre les deux logiciels. Hein. Et donc quand vous allez voir Sacha zoomer sur certains appareils dans l'avion, notamment le PFD, le ND, le FMC, sur le Zibo, c'est pas faisable. Donc voilà, je réponds à certaines questions d'abonnés. Pourquoi est-ce que Sacha pouvait zoomer et nous on pouvait pas? C'est simplement parce que, comme il vient de le dire, il est sous P3D, la V5, et donc sous le PMDG, qui est un super, super avion. Donc voilà, maintenant on est dans le cockpit, en cold dark, hein, donc l'avion n'a pas volé. Premièrement qu'on peut faire, c'est mettre un petit peu de vie dans ce cockpit. On allume la batterie, le ground power est connecté. J'aime bien lancer l'alignement des IRS, et on peut commencer nos petits checks. Alors on commence la partie plus d'inspection, on va vérifier l'extincteur, si l'aiguille est bien dans le verre, pour montrer que la pression est correcte. On va vérifier les panneaux avec tous les disjoncteurs, voir s'il n'y a pas un qui a lâché entre temps. On vérifie ici la corde, il y a une petite corde pour évacuer l'avion directement du cockpit. On vérifie qu'elle est en place, qu'elle est bien accrochée. Et on commence donc avec la partie supérieure du cockpit ici. On fait un petit. Vous verrez bien que ça s'éteint. On aura besoin des pompes hydrauliques. On a vu la pine est bien en place à l'extérieur. Et on fait un petit test. Alors, on va voir s'il va déjà le prendre ou pas. Le PMDG a besoin un petit peu plus de temps que le vrai ici pour lancer le test. Petit point noté, ne pas confondre ce bouton, si vous l'avez sur le Zibo, et celui-ci. Les conséquences sont radicalement différentes, vu que
appuyer sur ce bouton-ci va signifier qu'on va déployer tous les masques à oxygène dans la cabine. Et donc là, on est parti pour un bon retard de 2 heures facile. On va survoler l'océan. Donc vraiment, on devrait savoir que les masques, les gilets de sauvetage sont bien avec nous. Donc ils sont situés ici. Donc on a 2 par siège, puisqu'il y a 4 places dans le cockpit. Donc il y en a 2 par siège de pilote. Et on va terminer ici par la hache d'urgence, ici de sécurité, qui est bien présente. Avant de m'installer, déjà effectuer tout ce qu'il y a à faire sur l'overhead. Et donc, une fois que les IRS sont en cours d'alignement, le Yodamper est disponible, on va pouvoir l'activer. On vérifie bien que tout ça, c'est sur normal. Auto, voilà. On fait un test au niveau de la crossfit valve. On peut mettre les pompes. On n'aura besoin que des 4. On va avoir, puisqu'on a prévu 7 tonnes, donc au total, les 2 réservoirs dans les ailes contiennent 7,8 tonnes. Donc on aura des réservoirs d'ailes qui seront presque remplis, pas entièrement. Donc pas de carburant dans le réservoir central. On est bien sur le GPU déjà. Il va faire jour, on va activer les lights ici. On vérifie le bouton. On peut tester le micro aussi pour donner, parler à la cabine. On peut donner un petit coup de souffle dans le micro, un peu dans ce style-là. On va directement en cabine. On dit que maintenant le micro fonctionne. On allume les window heats. On avait l'autre fois allumé les propites, mais ici il fait encore assez chaud, donc ce n'est pas nécessaire. Donc c'est vraiment quand on est des conditions givrantes qu'on va activer les propites au sol avant le démarrage. D'accord. Donc, on a le trimmer, on peut mettre les packs, mess au vert. Alors on a prévu une croisière au niveau 370 et donc une altitude à l'atterrissage de 27 pieds. Donc le plus proche, ça va être 50. Donc on met 50 pieds ici. On vérifie bien que le mode de pressurisation est sur automatique. Les lumières extérieures, ça c'est bon. On est dans une base avec la maintenance. Pas besoin de lancer de la PU. Il fait encore un petit peu frais, mais pas de quoi nous alarmer. Hein. D'accord. Donc on va rester sur le GPU encore très bien. Un petit bout de temps, d'accord. Donc ici on peut déjà présélectionner certains éléments. Donc là j'imagine que tu mets le heading sur le câble de la piste qu'on va utiliser. Regarde, je vérifie juste avec la carte, ici c'est 150. Alors, très 150. Bien. Les radiales je vais laisser pour tout à l'heure. D'accord. On prévoit plus ou moins 5000 pieds ici, donc je mets 5100, comme ça on est sûr qu'on n'a pas reçu éclairant, donc ce n'est pas une valeur qui nous a été assignée. Je peux terminer rapidement la préparation. Voilà. Et on fait un light test, et à ce moment-là, on vérifie toutes les lampes. Alors on sait bien, celle-ci, c'est bien normal qu'elle ne soit pas activée. Ok, ça me semble bon. Oui, parce qu'on va la checker juste après quand on va faire le test sur le pedestal panel, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Alors, bon, on arrive déjà dessus. Ici, voler, fin parking. On peut faire le fire. Ok. Fonctionne bien. Voilà, et on fait le cargo test. Parfait. Donc voilà, maintenant on va rentrer les informations dans le CDU. Alors, la première page qu'on va regarder, c'est l'Events. On va regarder le type, le modèle d'avion que c'est. On a bien les moteurs qui sont en 26K. On a les data, donc les VRAC. Ils sont bien actifs du 25 février jusqu'au 25 mars 2021, donc ils sont bien actifs. On a le programme qui a été chargé et on peut passer à la page suivante pour mettre les positions. Alors on est à l'IRA,
On va avoir des coordonnées ici. Et on va pouvoir vérifier avec le GPS gauche qu'on a des valeurs qui sont semblables. Oui. Donc on peut l'activer ici. Donc maintenant, les RS sont chargés. On va pouvoir rentrer le plan de vol. R-E-M-H. Alors le numéro de vol, je l'ai appelé 4546. Ce sont des vols totalement fictifs. 4546. On va passer à la page ici. Donc départ sur la piste 15, Ostia 6 Zulu avec une transition jusqu'à Essino 5 Victor. Voilà. Je vais déjà activer, mais on n'exécute pas encore. Mm-hmm. Et à l'arrivée, on avait parlé de l'ILS Yankee 01. Arrivée morceau 3, bravo, avec transition via Bago. Ok, donc comme tu vois, on a l'exécute qui est disponible, on ne va pas le faire. On va d'abord faire un route check avant de pouvoir exécuter et vérifier que ce qu'on a rentré est correct. Au niveau du carburant, donc on a une réserve de 2.4. On a un 0 fuel rate qui est prévu à 57.5. Le carburant, pour l'instant, on a 2.8. Ça va arriver, le carburant devrait arriver d'ici peu. Donc, on n'a pas encore le carburant. Ce qu'on peut faire, c'est on simule le carburant qu'on va avoir. On va avoir 7 tonnes. Et comme ça, donc on peut déjà simuler les masses au décollage et toutes les performances. D'accord. Donc, le temps que le camion arrive, que le plein se fait, là, on peut déjà travailler sur... Travailler. Par exemple, regarde si je l'enlève. On voit que l'altitude maximale est suggérée à 398. Mmh. Si je rajoute le carburant qu'on va avoir, on sera plus lourd. Du coup, l'altitude diminue. Donc, on a une valeur qui est beaucoup plus proche de la réalité. D'accord. On est prévu au 370. Et on va regarder un petit peu tout ce qui est... le vent prévu est au 283 pour 18. 283... pour 18. La température prévue est de moins 1. Moins 57. Alors, une attitude de transition, si je ne me trompe pas, 5000. 6000 ici. Sur l'IRA, ouais. On va laisser 6000. Voilà. On va baisser ça. Bon, je vois déjà quelques informations pour la descente. Ça va être pareil. À mon avis, on va être au 7-0. 310, 200, 100. Donc ça, c'est toutes les informations qu'on a sur notre plan de vol en papier. Moi, j'ai 221 pour 31. Voilà. Le 1 n'est pas passé. Au 200, 217 pour 17. Et 100 pour 14. On peut déjà rentrer dans l'information QNH. Donc, tout ça, toutes ces parties-ci, en fait, est fait en avance sur l'arrivée. Hein. Je vais rentrer quelques... Attends, je vais faire ça, voilà. Quelques fréquences. On aura Ostia qui est sur 114.9. Je vais mettre en actif. Et Sino. Je vais juste mettre Ostia alors ici. D'accord. Voilà. On règle le QNH, le MFRV, Minimum Flat Refraction Altitude.
qui est donc en cas de panne moteur, l'altitude minimale à atteindre avant d'accélérer et de rentrer des volets. Donc elle est aujourd'hui de 1485. Et donc cette altitude, tu m'as dit que la dernière fois en fait c'est sur l'OPT, c'est ça qui vous le fournit? Par défaut, c'est 1000 pieds, plus ou moins 1000 pieds, donc au-dessus du niveau de l'aéroport. Maintenant, ça peut changer pour différentes raisons, que ce soit des obstacles. Oui, des obstacles, le relief. Le relief. Avoir des procédures aussi un peu plus complexes qui vont te demander de d'abord terminer un virage avant d'accélérer. Donc, même si tu atteins l'altitude, d'abord terminer le virage. Donc ici, voilà, on est presque. Donc dans le vrai, ça va beaucoup plus vite. Hein. Ça serait déjà terminé depuis bien longtemps. Voilà, 1485, une échelle à 1027. On va rajouter le terrain et les aéroports. Et je vais juste terminer, je vais débriefer un petit peu sur l'état de l'avion en général, sur les tech logs. Dans le tech log, donc on va rentrer des informations, on va voir un petit peu l'état général de l'avion, voir ce qui a été noté. Ici, bah, tout va bien, à l'exception d'un point que je vais t'en parler dans un instant. On va rentrer donc les carburants, le carburant qui a été à l'arrivée, le carburant qui a été livré en litres, converti en kilos, et les carburants qu'on a aux instruments, et on va vérifier tout ça pour avoir une cohérence. On va vérifier le niveau d'huile dans les moteurs pour créer un suivi. On va regarder le niveau des réservoirs hydrauliques, pareil, pour avoir un suivi donc d'évolution des quantités. On a une section qui s'appelle Notice to Crew, et là-dedans, on va noter un petit peu tous les équipements de l'avion qui sont installés ou qui ne sont plus d'actualité. Donc c'est là qu'il est assez intéressant. Je vais te montrer, je vais t'envoyer aussi une image de ça. Par exemple, j'ai fermé, on commence maintenant ce qui le fait, à fermer l'entrée pour le RAS. Le RAS était installé sur notre dernier vol. En passant sur P3D V5, le RAS n'est pas encore installé. Donc celui-ci n'équipe plus l'avion, donc on va faire une procédure supplémentaire au moment de s'aligner pour vérifier qu'on est bien sur la bonne piste. On peut voir que le code a été changé pour la porte du cockpit. Ici, pour un exemple, elle est de 1, 2, 3, 4, 5, donc un chiffre fictif. D'accord. Que les racks ont été installés. Donc on a de nouveaux ERA qui sont d'actualité, donc les anciens éléments ont été fermés. Vraiment différents équipements liés de l'avion. Donc s'il y a une mise à jour au niveau du FMC, l'ancienne version va être fermée et une nouvelle version va être active. D'accord. Donc voilà, donc à l'exception du RAS qui n'est pas là, l'avion est en parfait état de vol. Donc pour information, le RAS, en fait, c'est ce qui vous dit quand vous êtes en approche de telle ou telle piste et que vous êtes sur telle ou telle piste, et puis ça vous dit la distance qui reste sur la piste, etc. Toutes les informations qui peuvent apparaître aussi sur le ND, qui est l'équivalent du plugin X RAS sur X-Plane. Et donc là, visiblement, aujourd'hui, on n'a pas le RAS, donc... C'est une attention supplémentaire à porter sur ça. Tout à fait. Donc voilà, maintenant, si tu es prêt, on peut faire un briefing. Bien sûr. Au niveau de tout ce qui sort un petit peu de l'ordinaire, donc on va avoir, bon, on a parlé du RAS qui va être différent. On va avoir une procédure non standard, d'ailleurs, que je n'ai pas rentré, pour le cas de panne moteur. Je peux l'entrer rapidement. Donc, on a une procédure qui va être basée sur le VWAR de Romeo Oscar Mike à 2 nautiques. Donc, principalement, en fait, comme on voit sur l'écran, on quitte la piste, on décolle. Dès qu'on a 2 nautiques qui est affiché, on peut entamer le virage. Donc, on va tourner à droite pour intercepter la radiale 233 vers le même. Ah, pardon, 233 du VWAR vers le point Essino.
Alors, ça peut paraître un petit peu confus comme ça. Mais on va regarder ici. Donc, on voit l'avion. Je vais te l'agrandir. Parfait. On voit l'avion. Donc, on va décoller dans l'axe jusqu'à 2 nautiques. Puis, on va faire un virage à droite pour intercepter la radiale 233 à l'extérieur. Si j'augmente ici le ND, jusqu'au point qui est assez loin, ici, Essino, qui se trouve en fait à Fiumicino, au-dessus de la mer. Ok ? Très bien. Voilà. Altitude pour cela, on peut se baser sur la MSC qui est de 2300 dans le secteur. Mmh. 5800 au début, mais en faisant le virage, on est protégé à 3000 pieds. Donc on part sur 3000 pieds ? Ouais, on part sur 3000 pieds. De toute façon, de là, on sera en situation d'urgence. Donc, point de vue de séparation du trafic, on sera protégé. D'accord. J'ai juste une question, s'il te plaît. Ouais. Sur le cheminement que tu fais là, est-ce que ça, c'est toi qui as décidé de le faire ou bien c'est sur une carte, tu sais, le cheminement que tu prends pour la panne moteur ? L'OPTI, d'accord. Donc, c'est les procédures qui sont mises en place par la compagnie. Très bien. Et donc, un autre élément qu'on peut évidemment faire, puisqu'on avait manqué un petit peu de points, c'est mettre le point Romeo Oscar Mike, qui est 110.8. Voilà, on le met en actif, comme ça, on a le point aussi en backup. Très bien. Alors, c'est intéressant, parce que la dernière fois, j'ai eu la question d'un abonné qui m'a dit, est-ce que vous avez rentré la CID dans le FMC, pourquoi vous répétez les actions? Est-ce que ce n'est pas du double travail de rentrer encore une fois le VOR dans l'appareil, de rentrer d'autres balises? Du double travail, oui, c'est du double travail, ça c'est sûr. En revanche, il faut toujours penser en aviation, c'est sécurité puis économie. Donc quand on se pose des questions, pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose qui est là, c'est d'abord sûrement pour la sécurité. Si ce n'est pas pour la sécurité, c'est que c'est là pour économiser de l'argent, du carburant. D'accord. Si c'est pour la sécurité, ben voilà, on décolle. Ici, on a deux FMC, donc c'est vraiment les chances sont de plus en plus rares. Hein. Évidemment, c'est de plus en plus difficile. Mais il y a encore des avions qui sont équipés d'un seul FMC, donc un seul ordinateur avec deux CDU, mais un seul ordinateur. Si l'ordinateur plante, il n'y a plus aucun affichage qui est sur le ND. Et donc, il va falloir naviguer. S'il fait beau comme aujourd'hui qu'invoqué, ce n'est pas trop un problème. On peut passer un petit peu à vue, on évite les montagnes assez facilement. Maintenant, il faut s'imaginer être à Innsbruck avec les montagnes autour, en low visibility, avec un seul FMC. Si on perd ce FMC, il vaut mieux avoir tous les éléments qui soient prêts pour passer en navigation conventionnelle et continuer le vol de manière sécurisée. Je voudrais bien un route check, s'il te plaît. Allez, c'est parti. Alors, on part aujourd'hui de Lima India Romeo Alpha à destination de Lima Echo Mike Hotel. On a le call sign Ryanair 4546 avec un départ piste 15. On a Austin 6 Zulu et Essing 5 Victor jusqu'à Essino. Ensuite, c'est un direct Pidule, direct Orvex, direct Supux, uniforme Zulu 924 Ripal, uniforme Mike 603 sur Morse. Et ensuite, c'est la Star Morse 3 Bravo avec une transition sur Balio pour arriver sur la piste 01. On devrait arriver à LEMH à 9h25 Zulu et on a une distance sol qui est de 434 nautiques, ce qui... C'est exactement ce que j'ai ici. Exactement ce que j'ai aussi, en grande distance. Ce point ici, à l'arrivée 4.2, on a vu qu'on a besoin uniquement de 2.4. Parfait. Donc, l'heure, c'est 08:14. On a un QNH de 1027, ce qui nous fait 440 pieds affichés, avec le barreau qui est à 1484. Et on a tous les instruments de standby qui sont prêts. Donc, c'est un décollage gauche. Donc, mon décollage.
piste 15 avec une procédure anti-bruit 1, NZ1. Donc ça va être un départ standard, pilote automatique à 1000 pieds ou après le virage en fonction de comment les choses se passent. Okay. Très bien. On a Engine Out SID, on a déjà discuté. Romeo Oscar Mike, donc qui est sur le bord 2 nautique. Après le décollage, on vire à droite pour intercepter le 233 à l'extérieur, vers Essino, 3000 pieds. Et on va rentrer dans holding, on a tout le temps pour configurer le holding à ce moment-là. C'est briefing, au-dessus de 80 nœuds, on va seulement avorter le décollage pour un feu moteur, indication de feu. On va avoir en cas de predictive wind shear ou si l'avion n'est pas en état de voler. Alors pour les actions, je crée stop, je ferme les manettes de gaz, je déconnecte le autothrottle, j'appuie les freins où je vérifie que l'RTO est actif, je sors les speed brakes et je mets à fond les reverse. De ton côté, ce que tu vas faire, c'est que tu vas si une fois que j'ai dit stop, tu vas noter la vitesse à laquelle on a avorte le décollage. Tu vas vérifier que le speed brake sont sortis ou pas. Tu vas vérifier mes actions. Tu vas dire les vitesses 180, 60 nœuds et la distance qui nous reste en fonction des affichages sur la piste. Et une fois que on aura arrêté l'avion, je mets le parking brake. Tu vas mettre 40 degrés de volet et tu vas avertir le contrôleur qu'on a avorté le décollage. À ce moment-là, on va regarder la situation, on va voir ce qui se passe. Si une évacuation est nécessaire, à ce moment-là, on prend le QRH et on lit sur le QRH l'évacuation. On effectue les éléments et ensuite on prend les paperasses comme la load sheet et on évacue l'avion à notre tour. Avant VR, si l'appel, on continue, donc il n'y aura pas d'action avant 400 pieds, sauf pour rentrer le train d'atterrissage avec un vario positif. 400 pieds, on fait heading select. On va dire que je vais demander set my function, qu'est-ce qui se passe? Tu vas me dire la panne, donc détecter. S'il y a des éléments de checklist à faire de mémoire, on les fait. Sinon, on continue. S'il y a un cas de panne moteur, on va évidemment poursuivre avec le engine out SID. Une fois qu'on sera au-dessus de la MF Array, 1484 pieds, on fait un bug up, on va rentrer les volets et on va, une fois que les volets sont rentrés, on va mettre level change jusqu'à 3000 pieds et on va mettre maximum continuous thrust dans le N1 limite. Des questions? Non, c'était très clair, merci. Voilà, donc pour ce qui est maintenant roulage, alors on prend la carte, on est au parking 202, qui est donc en face du terminal. On va faire un pushback. Je vais essayer de configurer correctement parce que c'est un pushback un petit peu à 45 degrés. Mm-hmm. Je vais configurer ça. Ensuite, on va rouler sur Alpha jusqu'à Alpha Alpha, piste 15. Donc, parfait. Sur SAD, piste 15, c'est donc procédure temporaire qui est donc l'Ostia 6 Zulu. On a donc la montée initiale, donc après décollage, on monte au 151 jusqu'à 827 pieds, ce qui est vraiment très bas, ça va être plus 400 pieds plus ou moins au-dessus du sol. En fait, on fait un virage à droite et on suit la SAD. Ostia 6 Zulu, intercepté le 284, donc ça c'est ce que j'ai mis sur le MCP de mon côté. Donc sur Ostia, donc vers Ostia. Ensuite, on prend Romeo Alpha 507, maximum 210 nœuds jusqu'à Ostia. Et donc à partir de Ostia, on passe sur le Essino 5 Victor. Essino 5 Victor qui nous fait Ostia. Ostia, Torli et Sino. Ostia, Torli et Sino. Donc c'est vraiment une grande ligne droite. Si tu regardes sur la carte, c'est une grande ligne droite jusqu'à. Voilà. En vue performance, c'est ce qu'il nous reste à faire. Les passagers sont tous sont à bord.
Donc on va faire les performances et puis on va faire un checklist. Performance, on va voir ici, on a une tonne en plus. Ok, c'est toujours plus ou moins en plus par rapport à ce qu'on a prévu avec le PMD. 58,6, 65,7, donc on a bien une tonne en plus. On est toujours en dessous de 66 tonnes, enfin, ça c'est bon. Donc 65,7. Ok, on a 24K avec 30 degrés. 24K, 30 degrés en assume temperature. On va pouvoir économiser sur la température. 92,7. Du coup, 500 de différence par rapport à ce que j'ai. MFRE est maintenant de 1481. Donc, on va ajuster la valeur. Ah, 1481. Du fait que tu sois passé sur 24K et que tu as simulé une température. Change, des fois, ça ne change pas. Donc, c'est pour ça que d'accord. Le calcul qu'on fait à la base, c'est vraiment pour le maximum. Et puis après, on ajuste avec les valeurs. Ok, donc on a 5,37 pour le trim. Avec Flaps 5. Vitesse, moi, sur mon petit, c'est 139, 140, 147, 138, 139 et 147. Donc, tant que c'est à 1 nœud, on peut accepter. Et donc, on va ajouter la vitesse sur le MCP. Donc, 100, on va mettre la V2, 147. Voilà, ça c'est fait. On envoie les performances. Alors, je vais déjà allumer l'APU. Et on peut commencer, le carburant est là, donc on peut asseoir les gens. Les portes sont déjà fermées. Alors je te demande le safety inspection and before start checklist. Jusqu'à la safety vie. Inspection and before start checklist. Surfaces and shocks. Yeah. Maintenance status. Checked. Battery. On. Electric hydraulic pumps. On. Landing gear lever. Down. Chips library. Checked. Safety inspection checklist completed. Before start checklist, IRS mode selector. Nav. Gear pins. 1, 2, 3 removed. Et les pitots, on a bien 5 qui sont retirés. A light test. Checked. Oxygène. Alors, je ne sais pas si tu l'as fait, moi. Je vais le faire ici. Ouais. Voilà. Test 1%. Test 1%. Eudumper. Bon, ouais, on. Nav transfer and display switches. Normal auto. Fuel. 7 tonnes à bord. On a besoin de 6,2. 4 pompes à nu. On. Ok. Cabin utile. IFE Gary Power. On. On. Emergency exit lights. On. Fasten belts. On. Window heat. On. Air condition and pressure. Pax auto bleeds on and set. Pressurization mode selector. Auto. Instrument. Cross checked. Auto brake. RTO. Hydraulics. Normal. Speed brake. Adolescent. Parking brake. Set. Stab trim cutout switches. Normal. Well, fire warning. Checked. Radio radar and transponder. Set and standby. Standby. Rudder and aileron trims. 3 and 0. Takeoff briefing. Discussed. And PA. Complete. On va dire que c'est fait. Ok. Le rudder, comme j'avais dit, je ne le fais pas trop dans le simulateur parce que c'est un peu chiant à remettre après. Par rapport. Enfin, c'est pas. J'ai pas trop dans le simu, c'est pas très très précis. Ok, on peut continuer à appuyer, complete. Ok, FMC CDU. 7. N1 and speed bugs. Alors on a auto 24K avec 30 degrés. On a pour les vitesses 138, 139, 147 et c'est mis dans le MCP. 38, 39, 47, check. Stab trim. Alors on a 5,4 et ça c'est pas fait. Ok. 5,47. 5,47.
Performance, Weight and Balance. Sign and Sense. Phones. Off. IFB. Airplane Mode and Stowed. Flight Deck Windows and Cockpit Doors. Locked. Doors. Closed. Passengers. On va dire qu'on a reçu la notification de la cabine, donc ils sont sealed. Alors, on peut demander la clearance et en suivi du Ryanair 4546 request IFR clearance for le Lima Echo Mike Hotel Airport. Donc on considère qu'on a reçu la clearance. Oui. Donc on, avec... va, on va dire 5000 et prévu Ostia 6 Zulu avec Sino 5 Victor. Parfait. Est-ce que je peux demander la clairance si tu es disponible? De repoussage? Attends, je vais juste mettre 45 degrés. Ouais, vas-y, tu peux demander. Ryanair 4546 request pushback. Ryanair 4546 pushback approve. Facing. Ça va être nord. Facing north. Pushback approve, facing north, Ryanair 4546. Ouais. Eh ben, on est autorisé au repoussage, Captain. Oh, alors, tu fais below the line, s'il te plaît. Before start check, still beyond the line. Air condition packs. Off. Anti-collision light. On. Parking brake. Set. And transponder. On n'a pas pris de transponder. Ah, le squawk, c'était 1-1. One. Ah, d'accord, pardon. Okay. Vas-y. 1107. Voilà. Alors. Et donc, confirm before takeoff checklist, before start checklist complete. Confirm before start checklist completed. On peut y aller. Voilà, c'est parti. On démarre le 2 et 1 en séquence. Parfait. On démarre le 2. Allez, tour numéro 2. On lance le chrono. Et on a ici N2, navigation N2. On a ici le N1. Starting number 1 engine. Une fois, on a le N2, on a le N1 qui monte, on va avoir la pression d'huile qui monte. Une fois qu'on va injecter le carburant à 25%, on va avoir le fuel flow qui va monter et le HGT qui va monter. 25. Fuel flow qui va carry. Voilà, ça arrive. Alors, on a EGT, et bien, alors, les valeurs de référence sont 20% N1, 400 degrés pour EGT, 30%. Pour le fuel flow, enfin 0.30, environ 60% de N2 et un fuel flow, c'est le même qu'ici. Une fois que ça s'est terminé, on va pouvoir passer au flow. Donc c'est pas encore une checklist, c'est au flow. Voilà, ici. Le flow va se faire une partie sur l'overhead, une partie en bas. Donc ici, on passe sur l'électricité des moteurs, on coupe la PU. On met sur continuous, on active les probes, pas de buzz en engine ATIS, température, voilà, c'est bon, on met les packs, et on coupe la PU, ensuite on passe ici, on va mettre nos volets. Laps 5, ok. Voilà. Donc on va faire un flight control check.
full left, full right, full down, full up, et le rudder, full left, center, full right, center. On peut fermer en bas, on fait un recall, vérifie, voilà. Et on peut faire le before taxi checklist.